Bonjour, je suis Yannick Lins, présidente du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris. Ce musée Guimet a été créé par le fondateur Émile Guimet à la fin du 19e siècle et c'est aujourd'hui le plus grand musée d'art asiatique en Europe. Nous avons ici près de 20 000 œuvres qui nous racontent toute l'histoire de l'art chinois. Et cette année est une année particulière pour la Chine au musée Guimet, puisque nous célébrons le 60e anniversaire des relations entre la France et la Chine. Nous avons eu la chance d'avoir, dès le mois de mars, plusieurs expositions dédiées à la Chine. Pendant les Jeux Olympiques, nous avons eu une grande exposition sur la porcelaine monochrome chinoise, une grande exposition aussi qui vient d'un musée de Xi'an sur l'orfèvrerie de la dynastie des Ming, l'or des Ming qui attire un grand public et j'ai voulu que dans le dialogue culturel entre la France et la Chine, le musée Guimet soit le lieu où nous célébrons, dans le cadre de ce 60e anniversaire, pendant toute l'année, ce superbe défilé de mode qui permet aussi de mettre en avant l'art du textile chinois et cette créativité chinoise que l'on découvre un peu dans nos peintures de Dunhuang et qui est tant à l'honneur aussi aujourd'hui en Chine. Donc, ravie d'accueillir cet événement ici et je dirais qu'il témoigne, comme tous les autres, de cette belle amitié franco-chinoise que nous célébrons et que nous apprécions beaucoup ici au musée Guimet.